Chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs d'hommes ne portant pas de sous-vêtements, bienvenue dans cette Cracked Cave où nous allons tenter une partie de Isle of Sky. L'ai-je bien dit, Jamie? Non. Quand tu dis ça? Isle of Sky. Isle of Sky. T'as vu, dans sa bouche, on dirait le titre d'un James Bond. Isle of Sky. Moi, je vais écouter votre accent. De l'air au roi. Bon, c'est un jeu signé Alexander Fit. Dis-moi les noms des gens. Alexander. Oh, hey, j'allais la faire. Alexander Schuster. Je pense que ça se prononce quand même F. Hein. Pfister et Andreas Prélékan. Pfister. Oui, voilà. Ça, c'est japonais. C'est le kazoo sur tu. Deux ans, bien. Bah, ouais, je vous rappelle qu'on a très peu de temps pour la faire, cette petite TV. Donc, Isle of Sky, voilà, c'est un jeu édité par Funforge pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 60 minutes. Tout ça a été expliqué dans une petite vidéo précédente où Monsieur Guillaume nous expliquait les tenants et les aboutissants. Et là, nous allons voir ce que donne le jeu en vrai. Donc, je pose cette boîte par-devant moi. Ça coûte entre 25 et 30 euros grand maximum. Je pose ça par-devant moi et ah, je suis le premier joueur. Premier joueur. Pile donc, pas. Je vais dire à Mops et à Jamie les conditions de scoring. Oui. Donc, la A, c'est un point par mouton et par bétail adjacent à une ferme et un point par mouton sur la tuile de la ferme. D'accord. Ensuite, on n'aurait pas pu en avoir une autre. C'est des vaches et des moutons. Ouais, surtout là, ça se marie bien avec la B puisque c'est un point par mouton. Oh, ça va coûter cher ici, le mouton. C'est trois points par ensemble phare bateau. Mais sachant que chaque ensemble ne peut pas compter plusieurs fois. Et enfin, 3 points par montagne ou lac ou prairie fermée. Voilà pour le dé. Okay. Et puis, wow. C'est parti. Vous avez reçu votre premier revenu qui est de 5 pour tout le monde puisqu'on n'a que le château. Ah non, non, moi j'ai rien moi. Donc tu me donnes mon revenu, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès. Ah, attends, tout le monde là sauf moi. Moi, comme je connais pas le jeu, j'y ai jamais joué. Sur vous y avez tous joué déjà, je préviens. Tu te méfiais pas quoi. Non, je me méfiais pas. Donc du coup, ensuite, on pioche 3 tuiles. Chacun. Et on fixe le prix et on en décide. Donc c'est public, hein, nos 3 tuiles. Les 3 tuiles sont publiques. Tout à fait, ça fait partie de l'intérêt. On s'en revient même, c'est du pif. On se les met, ouais, peu importe. Hein, je les mets oui, pour l'instant. T'as les 3, impeccable. Est-ce que comme Carcassonne, la taille des bâtiments a de l'importance? C'est-à-dire qu'une rivière, enfin un fleuve non, qui non, fait. Non. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est fermé, que ce soit plus grand ou pas, c'est pas important. Voilà. En plus, ça te rapportera 3 points fermés très rapidement. Donc, Donc je sais ce que je veux et je sais ce que je vais faire. Eh ben, j'ai de la crotte. Toi aussi? Oh non, t'as deux bateaux. Les bateaux, c'est je suis vraiment triste que j'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que ça fait les bateaux? Bateau plus phare, 3 points. Pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Quelqu'un a du mouton? Non. Oui. Moi, j'ai du bétail. Alors, donc, moi, bon, on va faire le tour. Déjà, on fixe chacun avec sa hache, mais secrètement, la tuile que personne n'aura jamais. Moi, le problème, c'est que je ne sais pas combien il faut mettre, s'il faut tout mettre ou pas. Et après, on fixe le prix d'au moins un, mais on peut mettre un peu plus si on veut. Je regarde la tête de mon château. Comment tu considères les adjacents et pas adjacents? C'est par rapport aux routes? Ça se touche? C'est non. Pas d'orthogonal. C'est les tuiles. C'est les tuiles d'à côté. Les tuiles d'à côté. Parce que là, par exemple, sur celle-là, j'ai deux bestioles. Donc c'est 2 points. Non, parce que regarde, il n'y a que les moutons sur la tuile de la ferme qui comptent. Par contre, les animaux adjacents à la ferme, les deux comptent. Quoi? Regarde. Non, mais là, j'ai 2 points avec cette tuile. Qu'est-ce qu'on raconte? Non, le mouton qui est sur la tuile de la ferme compte. D'accord. Et celui-là compte. Par contre, ce sont les bétails et mouton adjacent autour de la ferme. Ah d'accord, tu veux dire que le bétail, lui, il compte pas. Il compte pas sur la ferme. Il est dessus, il est pas adjacent. T'es sûr de ton truc là? Ouais, certain. Je l'ai relu avant de partir. C'est complètement con comme principe. Ouais, c'est pour donner un peu plus de valeur aux moutons qui sont plus rarement sur la tuile de la ferme. Ah, faut me dire ça comme paramètre, qu'il y a moins de moutons. Ok. Donc là, c'est un point et c'est un point les deux, donc on s'en fout. Voilà. Voilà, moi j'ai fixé mes prix. Okay. Alors moi j'ai pas fixé mes prix, on met la hache et les prix. La hache et puis au moins un sou dans chacune des 2 autres tuiles à proposer. Ok. Mais je ne regarde pas. Moi j'ai jamais joué donc je ne sais pas, mais je suis prêt. Hein. Je suis prêt. Allez on révèle. On révèle. Voilà, donc, voilà. On jarte ça. On jarte la tuile. On la met où? On la remet dans le sac. Tac, tac, tac. Hop là. Ok. Et puis bah du coup, maintenant, en commençant par Fal, tu as la possibilité d'aller acheter chez quelqu'un, au prix indiqué, une tuile. Ok. C'est quoi ton scoring là, putain, mec? C'est un point par ferme. C'est 2 fermes, d'accord. Donc moi j'ai 2 et 3. Toi t'as 1 et 1. Ça veut dire qu'il a plus une thune. Ouais. Mais sauf qu'il récupère. Ah oui, c'est le dernier. Ouais, mais si on n'achète pas chez toi. Toi t'as 1. Alors 1 avec un mouton. Et un whisky en plus, Fal. Ouais, le whisky. Sympa. Ça fait des revenus en plus.
Eh oui. Mais arrête de me parler de ton jeu, c'est que j'ai jamais joué, laisse-moi analyser. Les sous à la fin. C'est pour ça que c'est parti dur, des plombes. Un point par 5 pièces d'or. Mais j'ai pas besoin de vos cerveaux. J'en ai un. Mes parents m'ont rien donné à part un cerveau, donc laissez-moi analyser la situation. Je t'en prie. Sinon, à quoi ça sert de jouer? Je remonte là-haut et vous vous débrouillez. Alors, donc toi, tu as ici ça, mais je m'en fous, c'est laid, mais ça coûte 1. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais prendre celle-là à 1. Tu vois? D'accord. Donc, tu me donnes une vache. Et là, je place. Et non, pour l'instant, tu l'as. Pour l'instant, tu l'as. Donc, tu m'as donné 1. Moi, j'ai récupéré la mise. OK. Et maintenant, c'est à mon tour d'acheter. Et je vais aller... Non, je ne veux pas acheter chez Jamie. Ça serait trop facile. Donc, je vais aller chez Mops. Je vais lui donner 1 pour sa ferme avec son whisky. OK. Voilà. Après, du coup, donc Mops récupère. À Mops d'acheter éventuellement. Ça, on va en acheter 2, c'est ça? Non, on fait un seul tour. On n'achète qu'un truc. Ah, oui. Ah, d'accord. OK, je croyais qu'on achetait... Non, on achète un truc. Ah, autant pour moi, j'avais rien compris. T'as mal expliqué. Tout ce que tu ne vends pas, c'est pour toi. Ah, d'accord. Tout ce qu'on ne vend pas, je l'avais dit. C'est quoi le scoring, Fall? Moi, là, le scoring, là, c'est 1 point par 2 tonneaux de whisky. Enfin, par producteur de whisky. Par 2 tonneaux de whisky. C'est pas terrible ça. Non. Par contre, la vache et le petit mouton me plaisent bien. Tiens. Donc 2, tu achètes. Donc Jamie n'a pas de sous. Moi, donc tu dépenses. Pas. Voilà, tu ça dépenses pas. Les sous, tu gardes tes 2 tuiles. Et puis toutes les tuiles que l'on a conservées, ben, on dépense les sous et c'est pour nous. D'accord. Et là, on peut assembler. Et là, maintenant, en fait, général, tous les tours, on en a 2 en fait. C'est ça l'idée. Hein. Si, voilà, généralement, tu arrives à t'en sortir. Donc il faut que ça fonctionne. Ouais. Il faut que ça matche. Une fois que c'est posé à tout jamais. Hein. Mmh. C'est ça. Ok, bon, écoute, moi je ne sais pas. Donc, c'est ça, le seul truc qui n'a pas besoin d'être relié, c'est les routes. Les routes, oui, c'est ça. J'ai compris ça. Alors, du coup, voilà. On arrive dit, elle a un cerveau. à la sixième phase de la manche, la première manche, qui est le scoring. Donc, le scoring ici, c'est 1 point par animaux adjacents ou 1 point par mouton. Donc, Mops, il a 1 point pour le mouton qui est là. Donc, ça fait 1 point. Voilà, toc. Jamie, t'as pas de ferme. Non plus. Fall, pas de ferme. Non. Moi, j'ai une vache qui est adjacente à une ferme. Donc, ça fait 1 point. Okay. Et voilà, c'est la fin du tour. C'est moins brutal que le dernier part. Tout à fait. Et le premier joueur change. Change, okay. Hop, deuxième phase. Et c'est reparti. Et on retouche nos revenus. Ah, et c'est quoi les revenus? Alors, les revenus, c'est 5. Plus 5. 5. Plus 1. 6. Par relié à son château. Je l'avais bien dit, par la route reliée à son château. D'accord, là c'est 5. 5. Okay. Okay. Tu l'as? Tu peux faire de la monnaie quand tu veux, bien évidemment. 7, s'il te plaît. 5. 7, t'as 2, t'as 2. Tu vas prendre nos 3 tuiles. 6. 7. 6 pour moi. J'ai eu une très bonne main dès le départ, je me plains pas. Merci. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Mops. Et 6 aussi pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ensuite, une nouvelle. 1, 2, 3. Tiens, je vais vous les mettre ici, comme ça sera beaucoup plus lisible. Dans l'ordre. Jamie, tu as les 3? Pas encore. Allez, ça sera tardé. Alors, celle que je vais... Alors, qu'allons-nous compter cette fois? Au deuxième tour, nous comptons 1 point par mouton. D'accord. Bah oui. Il n'y a pas beaucoup de moutons là chez toi. Non, j'en veux pas les moutons, moi, j'aime pas cet animal. qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça au milieu. Et puis après, je vais les mettre comme ça. Ah oui, il faut... faut savoir quel est le prix que les autres sont prêts à mettre. Mais quand je connais pas du tout la tronche des tuiles. Ben, non, mais je veux pas. Tu portes plainte à tes parents parce que c'est eux qui t'ont donné. Non, c'est les yeux. J'ai porté plainte auprès de des gars du bureau qui ont joué avant moi et qui ont analysé toutes les pièces. Non, parce que tu vois, il faut un phare et donc là, je vois les trucs ils sont deux par deux. Est-ce qu'il y a des deux phares? Oui, non, je dirais qu'il y a pas. Non, j'en ai pas vu moi. C'est quoi ça? C'est les tiennes ça? Oui. Il faut regarder ce que vous avez aussi. Mais des phares, il y en a plein, donc on va faire ça. On va faire. Ah, Jamie, t'as du mouton? Moi aussi. Ah, j'ai peut-être changé. On va faire notre petit. Moi, je suis prêt. Ouais. On y va. On verra bien. Allez, ça. Okay. Pif. Hein. Crac. Après, on explique ce qu'on vend. Donc, ça poubelle. C'est éliminé. Poubelle. Hop.
Alors, c'est moi qui suis premier joueur. T'as mis à 4. Je vous explique. J'ai une ferme mouton bateau. Bateau à 4. J'ai une ferme rhum à 3. Whisky à 3. Moi, j'ai un phare mouton bétail à 2. Phare mouton bétail. Une phare, une ferme whisky à 3. Ça, encore une fois, dans les jeux de tirage, c'est vraiment le gars. Moi, j'ai une pauvre tuile de merde, il y a juste un phare. Ah ouais. Voilà. Et j'ai deux bateaux et une usine à whisky. Ah, deux bateaux, bah, c'est bien, deux bateaux, un phare. Moi, j'ai deux moutons à 3 et j'ai un phare, un whisky à 3. Et okay, deux, moi j'ai tout mis à deux. Je vais aller acheter. Qu'est-ce que je voudrais acheter? Il me faudrait. Bah, ton phare est pas si mal. Eh oui, il est pas mal. Il fait péter. Pas si mal. Pour deux, il y a un point. Ici, j'ai pris ça. Mais souvent, la première analyse est la bonne. Je te donne plein de sous aussi. Alors que là, j'ai un phare et un mouton. Tiens, Jamie, pour deux, un phare et un mouton. Comme n'importe quoi. Hop. Et tu te fais trois tuiles. Je vais la mettre. Il fait making. Alors. Toi, tu as un petit phare. Parce que par exemple, là, tu vois, les... ça, c'est... je suppose que c'est ça. Mais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans cette partie-là, elle sert à rien. Deux moutons. Bah, je t'achète pour. Non, je ne t'achète pas ça. Qu'est-ce que je. C'est cher, hein? Oui, c'est assez cher. C'est Fall le moins cher. Ah, moi, je suis le moins cher. Eh bien, tu as deux bateaux, c'est ça? Oui, deux bateaux et des whisky à deux. Et du whisky, deux bateaux. Je te prends ton deux bateaux à deux. Crac, deux, c'est pour toi. Bateau. Bah, moi, Guillaume, tu vas reprendre ton argent, j'en veux pas. je vais te prendre ton whisky montagne. Whisky montagne. Oui, whisky montagne. Et là, c'est à moi d'acheter un truc, c'est ça? Mais non, celui-là, tu l'as acheté, je peux pas te l'acheter. Ah oui, ouais. Donc là, il y a ferme whisky. Oui, ferme whisky à 3. Quoi? Ça, c'est une route, ça. Hein. Oui. Bah, écoute, ça va jusqu'au château. Je vais te payer ça 3 parce que c'est plutôt pas mal. Allez. Je pense. Sur le reste, je m'en fous. Bon. T'as quoi, toi? Alors, j'ai mouton, bateau, ferme. Ferme whisky. Ah, c'est... ah oui, mais 4. Ouais, 4. En même temps, 4. Monte la route, je veux juste voir la route de près. Hein. Fais un petit test. Oui, c'est pas mal. Ouais, en plus, t'as le mouton. Non, montagne, ça va pas aller, Fall. Oui, mais c'est pas mal. À côté, oui, à côté, oui. Non, mais moi, je veux rejoindre ça, là. Non, je vais lui prendre son 3, là, c'est mieux. Tiens. Ok. Ah non, il faut la montagne aussi, là. Là, il y a la montagne, ça va pas, là. Non. Ça va. Oui. Ça existe ça après, mais je connais pas les tuiles. Oui, mais c'est... Si, ça marche. Surtout que la route, tu t'en fous. Parce que ici, il faut que ça rejoigne là pour avoir mon. Ah oui, si tu veux, exact. Non, mais je préfère payer ça 3. Donc c'est à toi, je donne les 3. Tu essayes de gagner en plus. Bah, j'essaie. Oui. Donc ça, j'ai dépensé, ça aussi. Eh ben, j'ai plein rond, c'est merveilleux. C'est merveilleux, bah oui, mais après, si par ça matche bien. J'ai plein de tuiles. Ben voilà. Le truc, il est là. Tiens, regarde. Oh, c'est beau. N'oubliez pas qu'on marque des points pour les zones fermées. Hein. Bah oui, ah oui, oui, ça marche pas, ça c'est la montagne. Ah, c'est nul. C'est comme ça. Ok. Oui, ça c'est chaud. Êtes-vous prêt pour le scoring? Non. Arrête. Donc la route, je peux la niquer comme oui, ça. Oui, tout à fait, ça pose aucun souci. Et là, ça te fait une plaine complétée. Ouais, je sais bien, mais bon. Ok, ça c'est à moi ça. Aïe. Non, je l'ai payé, c'est ma tuile. Oui, c'est ta tuile. Alors du coup, au tour 2, on score la tuile B qui est de 1 point par mouton. 0, moi. Je... Un mouton. Un mouton pour Jamie. Mops. 2 moutons. 1, 2. 1, 2, 3 moutons. Ça a l'air bien d'avoir des moutons en fait. Hein. C'est cher, mais c'est pas mal. Le Jamie, mouton. T'as marqué au premier tour? Non. Ah bah alors j'ai confondu bleu et rouge. Donc rouge à 2. Et moi j'ai dit 3. Hein, c'est ça, 1, 2 et 3. Oui, c'est ça. Donc, 1, 2, 3. Ok. Et puis, je passe. Et revenu. Premier joueur. Et j'ai 6 cette fois. 7, 8. Non, 7, pardon. 7, j'ai pas le 8e. 3, 4, 5, 6. Ah oui, t'as deux trucs. 7. Mops. 8 pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et toujours 6 pour moi. 1, 2. Okay. Et donc là, on comptera quoi? 4. On passe là, 5, le A et le C, ça 6. Et ça. Ouais. Alors. Donc le A, c'est les animaux adjacents aux fermes, et le C, c'est les ensembles phares bateaux. Attends, je t'en prends 3. Ah, j'en ai pris que 2. Au secours, à l'aide. Aidez-moi. J'en ai 3. Non, j'en ai même 4. Bah, tu fais la mienne. Hein. MacLeod. Alors. Allez. Oh, mercredi. Tirage de naze. Oh, j'ai de la ferme. Oh, j'ai de la ferme, j'ai du mouton. Ouais, celui-là, c'est pas la peine. Waouh, ça c'est bizarre cette tuile. Ça, la forme de celui-là est vachement étrange. C'est une montagne
avec une route qui traverse. C'est un pont. À la commune. Une rivière qui. Tu vois bien qu'il y a les petites. C'est vachement bizarre. Alors attends, parce que moi je réfléchis à ce que je veux. Il faut des bateaux et des phares là, c'est ça? Ouais. T'as tout toi déjà? J'en ai. Non, oui, j'ai un de chaque. J'ai pas de bateau, mais j'ai des bateaux partout. Donc moi, j'ai pas de. C'est dommage, donc, Jamie, les deux points que t'as marqués, c'était tes deux premiers, hein, je me suis pas trompé. Oui, c'est ça, ouais. Deux, un. Tout est bien, là. Tout est bien. Moi aussi, d'accord. Tout est bien. Je vais y arriver. Tout est bien. T'as eu qu'un point. Oui, ok. J'ai eu un, deux, trois, quatre. C'est bon, ok. Et le score, les sous-scorings, c'est à la fin du jeu. Ouais, tout à la fin du jeu. On pourrait les à chaque fois. À chaque tour. Ok. Attends, je réfléchis moi. Vas-y. C'est quoi les scores la partie que vous avez fait, c'est quoi les scores à peu près? Une cinquantaine de points, entre 40 et 50 points. Donc ouais, ça veut dire un je tour. Je sais pas, je vais faire ça au pif, j'en sais rien. Je sais, il faudrait que je calcule, mais on va passer trois plombes, donc j'arrête. Ok. On est bon? C'est bon. Celle qui est la plus à gauche dégage. Moi, toi aussi. Et voilà le prix. Merci. Alors, je vous annonce que j'ai une tuile mouton scoring ferme à 4 et une ferme mouton route à 2. Alors moi, j'ai une route avec un whisky et deux bateaux à 4 et un route avec deux bœufs, une mouton et un whisky à 6. Ok. Moi, j'ai une route avec du whisky et un phare à 5 et deux bateaux à 5. Oh la vache, purée les mecs, mais comment vous. Et mais c'est vous avez. Mobs qui score en premier. Ouais. C'est Mobs qui score en premier. Alors j'ai un phare à 3 et un whisky perdu au milieu de la montagne à 2. On peut ne pas acheter. Ah, on peut ne pas acheter. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un. C'est une montagne perdue. Une montagne perdue, mais je vais te prendre ta montagne perdue à 2. D'accord. Tenez. Ben moi, je vais c'est la moins chère. Bah oui. Je vais te prendre ta ferme et ton mouton, s'il te plaît. Si on n'achète pas, si j'achète et que personne ne m'achète, je peux me retrouver avec 3 tuiles. Ouais, oui. Ok. C'est à moi. De toute façon, j'ai que 3, donc je peux rien acheter en fait. Si. Ça là. La mienne est à 3. Mais je vais te la prendre parce que puis j'aurai plus d'argent après, donc je m'en fous en fait. Si, parce que sauf si je vais. Oui, si je vais te payer, t'auras. Mais tu vas 10. Pas payer. Je préfère acheter. Je m'en fous. Je me dépouille. J'ai jamais joué. Je me dépouille. Donc 3. Non, parce que celle-là, si tu veux, elle est parfaite pour. Ah non, elle ne va pas là, celle-là. Tu. Tant pis. De quoi? Tu la gardes? Je m'en fous, je la garde. Ok. Non, parce que si quelqu'un me prend ma tuile et que je n'achète pas, j'ai une tuile de moins que tout le monde. Bah oui. Donc, un point par ferme. Jamie, tu l'as mis à 6 là-bas, hein, tes champs. Bah si, écoute, c'est 4. C'est bien, craque tes sous. Mops. Je bien. 4. C'est un petit mouton. Bah écoute, ton mouton, il est bien, il coûte 4. Oui. Allez, 4. Alors, moi, je suis à poil, je ne sais pas ce que 4. Ça donne, mais. Tu vois, moi à ce tour-là, j'ai acheté qu'une seule tuile puisqu'on m'a dépouillé de mes deux. Par contre, ça m'a fait quelques sous. Moi, j'ai plus d'argent. Pareil. Pareil. Mais alors, moi, je suis obligé d'acheter, hein, là, non? Non, c'est fini, toi. C'était le premier joueur. Oui, c'était le premier joueur. D'accord, mais j'ai pas de tuile du tout. Comme ça. Ah oui, donc on t'a tout acheté. Et t'as pas acheté. Bah si, j'ai. Si, t'as acheté. Tu l'as placé là. J'ai placé. Ah, j'ai acheté une tuile. C'est vrai. J'ai acheté une tuile. J'en aurais voulu une deuxième. C'est ça. Ah ben, il faut que je la mette là, en fait. Voilà, adjacent. Ok. Ah, ok, de rien du tout, bonhomme. J'essaye de fermer mes trucs, moi j'essaye de gagner. Là, elles sont cons ces tuiles. Non, ça va pas du tout. Vous pouvez avoir le sac pendant que tu réfléchis. Tiens, mais moi je vais essayer d'optimiser parce que là on passe en. Là on va marquer. Là pour l'instant on n'a pas encore marqué, on va marquer A et C. Et donc moi je veux fermer des trucs là. Attends, j'en ai 3 à poser. Est-ce que je peux les poser mieux que ça? Si je ferme ici. Par exemple. Ah oui. Ça marche. Mais après, si je ferme ça. Oui. Non, mais moi je veux rejoindre ici. Oui, mais je veux rejoindre ici. Ah oui. Bah, le rejoindre en bas, tu peux encore là. Non, parce que tu vois la Ah, pas tout de suite, oui, non, pas tout de suite. Là, si, ça marche. Oui. Ça marche. Très bien. Mais ça revient au même parce que je ne ferme pas. Si, est-ce que je peux fermer ça? Là, dis donc. Attention, il faut fermer à 3 tuiles. Hein. Comment ça, fermer à 3 tuiles? Pour marquer D, c'est ça que tu as essayé de faire? Non, c'est pour celui-là. Oui, faut avoir 3 tuiles au plus. C'est non. Les fermer à 3 tuiles? Bah non, il m'a dit les trucs fermés. Donc tout à l'heure, c'est marqué. Tout. Ouais, mais tu en sais, Guillaume, il explique pas. Ah, c'est pour les plaines. Pour les plaines. Ah oui, à 3 tuiles ou plus. Pour tout? Ah, les mecs, vous m'expliquez les trucs à moitié. Tu me dis. Donc moi, j'ai tout fermé. C'est moi, j'ai dit tout fermé comme moi. Donc effectivement. Moi, j'ai tout fermé en partant du principe que j'allais marquer plein de points et je me fais niquer au début de la partie. C'est ma faute.
J'ai fait pareil. Ah, mais alors, c'est bon, on peut arrêter là, moi. j'optimise pour tout à l'heure, j'achète des tuiles pour ça, je me ferme tout. Non, faut le compter. Bah oui, il faut le compter comme on l'a expliqué. Ah, bah sinon, c'est mal expliqué. C'est mal expliqué, c'est de ma faute. Mais moi, je dirais c'est trois tuiles pour les plaines, peut-être, non? Non, c'est effectivement la couleur classique de la tuile. Tout la 3. C'est de ma faute. On le compte comme ça. Ouais, parce que moi, je suis parti. Sinon, vous m'autorisez à tout remettre en place. Bah oui. On a deux solutions. Bon, ça me dérange pas, perso. Ah bah, on peut le faire comme ça. Ah, moi, je change pas. Parce que de toute façon. Parce que ça... je fais pas, je me suis dépêché de faire mes tout. Oui, sauf que je les ai pas achetés dans le bon ordre. Bah non. Vous me foutez dedans, les gars. Non, on le compte comme ça. En fait, vous faites. Tout est prévu pour me faire couiner, en fait. Depuis une semaine, c'est. C'était prévu. Sans déconner. Personne l'avait vu, donc on est tous. Mais moi, il m'a dit. Ouais. Tu me l'as dit. Tu m'as dit, là, tu fermes ces trois points. D'accord. Oui, impeccable. Tu dis cool. Ouais, c'est comme ça que j'étais parti aussi. Ah, bah oui, mais tout le monde est parti de la même manière. Ça ne change rien. On le part de la même manière. Pas moi, j'ai lu le tuile. Toi, t'avais lu la tuile. Pour ça, j'ai fait la montagne à trois. Ouais, mais bon. Moi, j'ai fait une grande montagne parce que je ne pouvais pas faire. Non, parce que du coup, j'en ai que deux qui sont niqués, mais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. C'est pas, je vais jouer avec les vraies règles et puis tant pis. Si tu fermes là, tu vois. Oui, mais ça me nique tout mon plan, si tu veux. Mais c'est pas, celle-là est bonne. C'est pas très grave, tu vois. Voilà. Celle-là est bonne et puis c'est con parce que j'avais ce qu'il fallait pour là, quoi. Et je me nique mes montagnes, je me nique tout. Change-le. Mais non. Tu vois, celui-là, je l'aurais pas mis là, j'aurais mis là, par exemple. Ah ben voilà. Je vais bien m'accorder au moins ça, par exemple. Facile. Ah oui, sinon c'est idiot. C'était complètement con de le mettre là, alors que j'avais un truc ouvert à 3. Mmh. Alors je m'accorde ça, sinon ma partie elle ressemble plus à rien. Ok. Ce qui fait que ça, je peux le mettre comme ça, j'aurai la montagne. Oui. Et on va dire que là, ça, je peux pas aller là, donc j'aurais été où avec ça? J'aurais été. Non, ça marche pas ça. Ça marche. Ça marche pas. Non, dans l'autre sens. Ah oui, mais tu. Non, ça marche pas, ça marche nulle part ça. Comme ça. Comme ça, ça marche. Comme ça, ça marche. Ouais, mais je me nique mon. Non, c'est bon. Je me nique rien là. Sinon, tu mets ça là. Ah non, tu as besoin de relier le whisky sans doute. Bah ouais, mais bon. Et là. Ça me fout tout en l'air, j'aime pas ça revenir en arrière comme ça, que ça fait n'importe quoi, mais je préfère relier le whisky quand même. Hein. Il me manquera une route ici. Est-ce que je peux le relier comme ça? Non. Oui, ça marche. Mais c'est non, parce que ça me fait pas assez grand. Là, d'accord, mais ça te fait tous tes whisky reliés au château. Ouais, non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il vaut mieux que je ferme. Ça, c'est à moi, ça? Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Mon whisky relié au château. Ouais, mais c'est de la triche. C'est de la triche, ah, ça. J'aime pas ça. Non, c'est nul. Et puis, c'est plus long que de la cornemuse. Bah oui, c'est nul. C'est nul. Oui, t'as le droit. Oui, mais ça me plaît pas, là. Mon cerveau est en train de tourner en boucle. Je veux faire un truc à 3 au moins pour marquer au moins 3 points. Quoi. Bah, celui-là, tu qui marque 3 points sinon? Attention, non, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, mais si tu veux, je vais me le préparer quand même. Donc c'était un peu couillon. Aussi, est-ce qu'on a pas donné les sous supplémentaires hein. On n'a pas compté, on n'a pas scoré. C'est maintenant seulement. Ah oui, d'accord, c'est maintenant. Ni score, ni revenu pour l'instant. On est en pause. Oui, c'est nul. Là, ça fait un 3. Ou ça fait un 3. Tu le mets là. Ouais, mais non. Celle-là à côté. C'est pas bien. Tant pis. Mais c'est des trois fermés. Oui, mais c'est pour le tour d'après. Donc, tu as encore une possibilité de fermer quelque chose qui est à 3. Ouais, c'est nul. Ça m'énerve, j'ai tourné en boucle, donc j'arrête là, ça m'énerve. Voilà, et hop, tant pis. Tant pis, ça sinon marche. Je vais y passer 3 jours. Allez, tu n'as alors, pas le choix, ça m'agace. Animaux à côté d'une ferme pour Mops. Alors, 1, 2, 3. 3, ensemble, phare, bateau. 0. Donc, 3 points pour jaune. 1, 2, 3. Jamie. 2 pour les animaux. Et puis j'imagine qu'il faut le refermer pour que ça marche. Ah non. Non, non, c'est un ensemble. Ah d'accord, bah, j'ai une phare avec des bateaux à côté. Donc 3, 4, 5. Je pense pas que ça aurait marché. Mais... Donc moi j'ai pas de mouton, donc on s'en fout, c'est ça? Double phare bateau. Et voilà, ça fait 6 points. Mais bon, 6 points. Mais bon, c'est nul. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 6. Mon truc il est nul là. Ok, là j'ai 3. Là j'ai 1 à côté. 2, 3 à côté. J'ai 2 phares. 4 à côté. 5, 6 à côté. 6, 7, 8, 9. Ça va bien, l'autre. T'as pas besoin qu'ils soient tous ensemble. Non, celui-là. Je sais pas, moi, c'est la règle de Guillaume. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va me tomber dessus, je le sens. Alors, du coup. Comment t'as marqué autant de points? Ben, regarde. Adjacent à une ferme, adjacent à une ferme, adjacent à une ferme, adjacent à une ferme. Comment il fait pour être adjacent à une ferme? C'est tous ceux qui sont autour. Regarde. Ah oui, c'est ça là. Oui, c'est ça. Comment ça? Ah, autour comme ça? Bah oui. Mais t'en as pas non plus. D'accord.
Et puis 3 points de plus pour un ensemble bateau. Ok, okay, on prend notre thune. Moi j'ai 5, j'ai 6. Allez, hop, 6. Autour, c'est la diagonale aussi. Oui, regarde, celle qui est là. C'est n'importe quoi. D'accord. Et tu as un de plus parce qu'il y a quelqu'un qui est devant. D'accord. Mais moi j'ai 10 alors, s'il te plaît. C'est nul. Bah tiens. Fais péter les tuiles. 1, 2, 3, 4. J'ai 10 ah, aussi. 10 aussi. Ils ont 10 comme moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fermé des trucs que j'aurais pas lu. Je vous avez pris le 1 de plus, hein? Oui. Ok. Bah, moi j'ai 6. Ça avait l'air plaisant comme jeu jusque-là. 2, 9, 4, c'est ça. Alors, maintenant, 6. Voyons voir. C'est Jamie, il a tout vendu. Que va-t-on scorer du A, c'est-à-dire les moutons, c'est ça? On va scorer B et D. Alors, B et D. Ah, ouais. B, c'est les moutons. Oh. Et D, c'est. D, c'est les fermés de plus de 3. Ça, c'est la vraie règle non orthodoxe, Mr. Parson. Mais il a raison. Il a raison. Donc, il y a une tuile qui va être défaussée. Là, je prends un risque. Ah, il risque énormément. Aïe. Ah bah si, c'est, si, c'est bien. N'importe quoi ce que vous m'avez fait. Aïe. Faut que j'arrête de réfléchir, vous m'énervez. Mais si, c'est super frustrant quoi. 2, 3, 4. C'est absolument pas optimisé comme placement. C'est un paysage de merde. Tu l'as au taquet là. 1, 2, 3. Ah oui, bah oui, donc tu peux fermer. Donc il va falloir que je mette plus cher. Il va falloir que je mette plus cher. Ça fait 2. Non, c'est pas celui-là, il faut que j'aille. Et ça fait 2 ici. Et puis, 1 et 1 comme ça. Tiens, ping. Tiens, et ping. Moi, faut que vous achetiez chez moi. Voilà. Ok. Tout est bon ? Oui. Okay. Ça va tataner. Ça s'arrête quand ? Ah oui, à la fin, là. Ouais, on a la moitié, là. Ok, et c'est Jamie qui achète. Donc, dis-moi ce que vous avez, donc. Ben regarde ici, c'est facile. Hein. Tu as un bateau et une espèce de bestiole qui sert à rien. Bestiole qui sert à rien, mais ouais. Ça sert les bestioles. Oui, non, ça sert à rien. À côté d'une ferme, faut les mettre. Et là, j'ai un truc pourri. Voilà. Ok. Un point par phare. Ah, mais tu l'as mis combien? Toi, t'as deux bateaux. Toi, t'as un point par deux bateaux. Et moi, c'est alors, moi, j'ai un mouton, un bœuf et une ferme. D'accord. Et deux bateaux, un mouton. Et tu demandes combien à 5. Pour ça, 5. Joli, 5 pour chaque. 5 pour chaque, bah donne-moi le ferme. Par contre, tu vas devoir demander une pièce à la banque. Hop. Ok. Tiens. C'est à moi d'acheter ? Ouais. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour toi. Ta pièce. Je t'ai passé 4 et j'ai donné une à la banque. Putain, 6 voilà. Pour avoir tous tes moutons. Là. Bah, j'ai pas 6 moi. Moi, j'ai que 2 pour acheter. Qu'est-ce qu'il y a à 2 ? Il y a que ça, de Jamie. Ouais. Qui marque par rapport aux phares. Non, c'est pas les phares. Non, c'est les planches. T'en as déjà 2. T'en as en plus. Donc. Je m'en fous. Ok. Mops, t'as pas acheté. Hein. Non, mais je vois pas tes sous. Ah, 5 phares, t'as quoi alors ? T'as du phare, toi, phare ? J'ai pas de phare. Non, il n'y a pas de phare. Pas de phare. Par contre, il a de quoi scorer les phares. Et toi, t'as même un phare mouton qui est très bien. Attends, c'est à moi. B, ça va scorer maintenant et c'est 1 point par mouton. Jamie, 5, 6, mais bah c'est parfait. C'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu fais chier. Tiens, Jamie. Non, regarde ton argent, j'en veux pas. Bah si, moi je veux ta tuile. À toi, Mops. Tiens. Eh ben c'est parfait. Moi, ça. Personne ne m'achète rien. Donc, hop, j'ai 3 tuiles par tour. Si j'avais pu concevoir un peu mieux mon territoire, je serais super, super bien. Alors. Je vais me tenter, mais je pourrais pas fermer. Bon. Alors maintenant, ça, de toute façon, ça c'est mort. Je vais fermer tout de suite. Oh mince, je peux. Si. Je peux le placer comme ça. Ouh, j'ai chaud les miches. Ok. Et puis. Je ferme ici. Ok, un peu d'avance dessous. Nickel. J'ai pas un. Alors est-ce qu'un même animal peut servir à plusieurs fermes? C'est les animaux qui. Il faut qu'ils soient adjacents. Il faut qu'ils soient adjacents à la ferme. C'est la condition pour que l'animal compte. Comme quoi, toute règle peut être soumise à questionnement. Putain, c'est n'importe quoi. Mais il faut poser mes châteaux n'importe où. J'avais une usine à pognon que j'ai plus. On va dire que c'est pas grave. C'est pas toi de toute façon. Ne cherche pas, enfoiré. J'aimerais construire une route circulaire. Circulaire. Ça va être dur. C'est un autre bonus, c'est un bonus personnel. Personnel. Un achievement, comme on dit. C'est un achievement. Et toi, tu y es bientôt ? Oui, je peux aussi.
Ouais, je m'en fous, je fais ça, je m'en fous. Ring. Ouais, vous m'avez trop pourri. Ok. Donc, du coup, on score pas de D ferme. Et D. Pas donc, de mouton, D, c'est les moutons. Ok, mais D, c'est les éléments chaque, finis. On fait donc, chaque chose ensemble. Moi, j'en ai 1, 2, 3. 3 fois 3, 9. 9, 6, 15. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc, on compte des éléments à 2 ou à 3 alors? 3. 3, ok. J'ai un élément à 3. Donc, 3. Et combien de moutons? Puis, j'ai 1, 2, 3 moutons. 3 et 3, 6. Putain, j'avais trop marqué un milliard de points là. 6. Moi, j'ai 4 moutons. 4 moutons. 1, 2, 3, 4. Et. Rien de fermé. Rien de fermé. J'ai. Est-ce que vous m'avez pourri ma partie? J'ai rien de fermé. Ah, moi, c'est monstrueux. Regarde toutes les tuiles que j'ai quoi. J'avais de quoi faire un territoire monstrueux, magnifique. J'ai rien de fermé non plus. Avec du whisky partout. J'ai rien de fermé. Tu sais pas jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moutons par contre. 7 moutons, il a rien de fermé à 7 moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, Jamie. Fall, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment ça, putain, Fall? Ben, c'est parce que je croyais que j'étais devant et en fait, c'est toi qui es devant. Donc, je prends 6 et un 7. En 2 maintenant. Tu prends 8. Ah oui! T'as deux de plus. Est-ce qu'on peut me passer 11? Ah vache, purée, mais vous avez fini de marquer des points. 12 pour moi. Oh purée, ça m'énerve. Non, parce que quand tu gagnes des sous, tu fais pas autre chose. Eh oui, c'est ça le truc. T'as compté les plus 3, hein? Oui. Les plus 2, pardon. Oui, 9 plus 3. Tiens. 9 plus 3. Oh, il y a des ponts! Oui. Tu savais pas qu'il y avait des ponts! Ah, on est là. Et puis, moi je prends que mes points, donc 6. Quelle bande de ponts! Parle de pont. 1, 2, 3, 4. Alors 5, 6. C'est n'importe quoi. Purée. Ah. Donc le côté Carcassonne, c'est chacun. Par contre, après, alors, il y a le côté enchère. Pour fermer. Qu'est-ce qu'ils ont, les autres? C'est pas bien, ça. Oh, purée, t'as un nombre de tuiles. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai plein de tuiles, mais si ça avait été mieux placé, bien, j'aurais dû faire 15 points, là. C'est pas bien. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ouais. Mais il y a une ferme. Un peu mieux, ça peut-être. Ça, c'est pas mal. En fait, ce qui manque, moi, c'est ça. Ah ben voilà, ça, en ça. Fait. Et il marque là. Oui, il marque. Donc, c'est maintenant ou jamais. Bon, et voilà, puis, ça, on va le faire. Ça marche, ouais, ça, c'est bon. Donc, ça dégage. Et puis, ça et ça. On va le mettre à... Allez. Mettre à ça. Allez, on va tenter. Ouais, ça devrait être bon. C'est toi qui joues en premier, Fall? Oui, c'est toi. Ouais. Hop, laissez-moi mettre un peu de sous, je me fous de la monnaie. Ça, c'est de la merde. Toi, Jimmy, t'avais des missions? Quoi? T'as des missions à bétail? Ouais, j'ai des missions à bétail, ouais. Ouais, super. Vu la configuration misérable, ça va pas marcher. Bah tant pis. J'ai plein de thunes, on va faire ça plutôt. Ouais, hop, c'est parti. Ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Hop. Ok. Du coup, on n'aura pas grand-chose. Phase de récolte. Et ça, c'est à 6. Et ça, c'est à 6. Moi, j'ai que 4. Donc, est-ce que quelqu'un a des trucs à 4? Non. Bon, ça veut dire que je peux rien acheter, bande d'enculés. J'aurais dû rien mettre là, en fait. Ah, tu es obligé de mettre au moins 1. Au moins. Mais comment ça, on va mettre au moins 1? Ah oui, on va mettre 1. Tu fixes au moins le prix à 1. C'est pas grave, j'achète rien parce que j'ai pas les moyens. Donc par contre, 5, 6, une ferme avec entourée de l'eau, ça c'est quand même bien. Ça c'est quand même bien, moi je vais t'acheter. Il y a un phare qui rapporte. Non, je vais t'acheter. Tiens, ici. J'aurais dû mettre toute ma tuile en fait, c'est ce que j'avais fait au départ. Tiens, je te prends. À 6! T'as pris pour deux de trop. Donc toi, t'as une ferme avec du whisky. Oui. Toi, tu as... C'est moi le dernier acheteur. Ouais. Toi, t'as une ferme avec un mouton. Un mouton là-bas. Ouais, y a un mouton. J'ai une ferme avec un mouton et une tour blanche. Je vais prendre le tien, s'il te plaît, Guillaume. Le mien? Ouais. Oh là, mais arrêtez. 5, 6... Mais t'as pas de tuile. Mais je m'en fous. J'ai acheté qu'une seule tuile, moi aussi. J'en ai qu'une à poser. Oh, purée. C'est bon? Ouais. Bien entendu. Oh là 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 là, les ralouillous. Oh, qui cuine dans cette pièce, waouh. Cuine. Oui. Ah, c'est pas possible. Il faut fermer les...
Qu'est-ce que c'est qu'une plaine fermée? Les routes, ça coupe ou pas? Non, est-ce que ça, c'est une zone? Non, c'est trois tuiles. Une zone fermée, c'est une zone à laquelle tu ne peux rien rajouter. D'accord, donc il faudrait que je bloque ici pour, c'est ça. Pour que ce soit une zone. Là. C'est ça. Ok. En même temps, ça se tente. Ça, c'est. Si je le mets là. Voilà. Allez, hop, c'est parti, moi. Attendez. Tout le monde a construit? Non. Non, pas encore. Parce qu'après, il y a la phase de scoring. C'est quoi la phase de scoring cette fois-ci? C'est les zones fermées, c'est les animaux à côté d'une ferme et les moutons. Et les ensembles. C'est tout sauf le B en fait, tout sauf les moutons. C'est ça. Ah mince, ouais, bah oui, j'ai mal joué. Bah oui, mais il me l'a acheté à 6. J'ai mis. On n'achète pas un truc à 6. Ça vaut la peine. Si tu m'as acheté un truc à 6 le tour d'avant, je te rappelle. Hein. Ouais, mais moi, c'est parce que j'ai une banque qui fait crédit. Cécile. Bon. Ouais, ça c'est pas mal ça. J'avais de quoi faire des milliers de points. Mm-hmm. Alors, Mops. Oui, tu veux quoi? Les animaux à côté d'une ferme ou les moutons dans une ferme? Alors, je compte pas plusieurs fois le même animal, non. Évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, ton taureau, il n'est pas dans une ferme, là. Il est à côté de celle-là. 5. Ah, d'accord. 6. 6, okay. 7. Putain, 7 points. 7. 7 pour jaune. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, bateau phare. Bateau phare, c'est juste combien C'est un bateau avec un phare. Eh ben, j'en ai un. Non, deux. Il n'y a pas de bateau, là. Ben, non, mais tu as un ensemble bateau phare et tu as un ensemble bateau phare. Oui, c'est pas forcément un bateau. 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamie. Il reste un truc comme zone fermée. Zone fermée, j'en ai une. Une montagne, donc 3. 1, 2, 3. Moi, je dirais d'un. Ah, c'est une grosse. Là, ouais. Pas d'ici. C'est vrai que c'est loin là-bas. Hein. Surtout qu'il a. Moi, il essaie de le construire à l'autre bout de la table. Pas pour lui, mais le plus loin possible. Mais oui, parce qu'en fait, c'est l'important, zone c'est ce d'achat. Qu'on vend si tu veux pas tellement ce que je construis. Qu'est-ce que tu me disais là comme ça? Parce que moi, je peux contrôler tout seul, c'est bon. 7 de moutons. 7 points pour les moutons et les bétails. Donc, t'es bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, si, j'en ai là. Et puis pour les zones fermées, j'en ai deux. Ah, je me suis donc fait ça deux. Fait 6. J'en ai deux maintenant. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est les moutons, hein, pas les. Ah si, c'est adjacent. Ah, c'est deux points de plus. J'ai deux points maintenant. Bah, deux points de plus. T'as pas. Et puis t'as 6 aussi pour les bateaux et phares. Ah oui, c'est vrai, on remarque ça aussi. Là, j'ai les 6 alors, ouais. Merci. 3, 4, 5, 6. Les zones fermées, t'as compté. J'en ai deux. Donc moi, les bestioles près d'une machin, j'en ai deux, donc ça me fait deux points. Ok. Je me demande si je les ai pas oubliés tout à l'heure. Non, on les a pas comptés tout à l'heure. Maintenant, c'est les phares et les bateaux. Ouais. Donc, j'ai trois phares, je crois. Ouais. Trois phares et trois bateaux. Donc, ça me fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après, les zones fermées à 3. Hein. Donc, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai trois. Donc, ça me fait 9. 9 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, alors, ensemble phare-bateau, j'en ai qu'un, donc ça fait 3, 1, 2, 3. Ensuite, le A, c'est les animaux à côté des fermes, donc là, j'ai ferme et ferme, et puis j'ai une ferme ici, mais le bœuf ne compte pas. Donc ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en zone fermée, je n'en ai pas. Ok. Donc voilà. Alors, petite question là, sur ça, là, c'est quoi le truc en toi? Alors, si la mission. Bah, en plat, toi. Là, c'est pas le cas. Toi, tu en as une. Cette mission-là, elle est dans une zone complètement fermée. Ok, c'est donc, ça l'idée. Ça ne sera pas un point par tour, mais deux points par d'accord, tour. D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais oublié ça parce que j'aurais pas posé ça comme ça. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Là, on arrive au dernier tour. C'est moche, j'aurais pas mis ça là. Donc, combien de revenus Fall en sachant que tu es premier? Bah, j'ai 5 et 1, 6. J'aurais pas mis ça là si j'avais oublié, j'aurais dû poser ma question avant. Alors, Jamie. On gagne 4. Hein. C'est 4 par bonus, quelqu'un qui est devant. Que 14 alors. Donc t'as 4 et 4, 8 là. 8. Ah bah j'ai 18 alors. C'est combien? C'est 4 par ceux qui sont devant. J'aurais mis ça là, c'est là. 4. Ouais. Donc t'as 18. 18. Je me permets que j'ai posé la question, on n'a pas fini, je le mets 15, là plutôt que là. Ça ne change 7, rien. 18. Tiens. Ça ne change rien, absolument rien. Ah, ça donc 3 fois 4, 12, c'est ça? Plus tes revenus de base, 22. Si tu veux, c'est de là je peux les fermer. 22, mais c'est 22. Moi j'ai 4 parce que quelqu'un est devant. 22, ça te permet de t'assurer tes deux tuiles en fait. 4, 5. Oui, et il y a quelques points. Mais la conversion point argent. On pioche les tuiles. C'est pas toujours bon. Moi. Je préfère piocher quand il y en a encore plein dedans. Et c'est moi qui suis premier joueur. Plus de choix. Ça change rien, tu sais. Non, pas trop. C'est vrai que ça change pas trop, mais. Enfin, ne s'éteint jamais. C'est le dernier tour. Hop là.
On va encore dire que la partie est foirée alors que c'est de ma faute, alors que t'es devant, Fall. Mais non. Si. Mais c'est-à-dire que je vais perdre à quelques points près, alors que là, vu mes tirages, j'avais de quoi optimiser un max, quoi. Hop. Mais c'est pas grave. Comme le fait très justement remarquer un internaute qui nous regarde, je suis très frustré, très rapidement par rapport à l'autre jeu qu'on a pratiqué il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, je trouve ça excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est excellent comme jeu. Super, je vais pouvoir assurer deux tuiles qui ne servent à rien. Non, t'as un phare quand même. Il y a un phare, ouais. Un phare. Ils sont notés, les phares? Oui, ils sont notés. Ça, j'ai rien à foutre. C'est les fermes qui sont plus notées. Ça, ça va aller à la poubelle parce que ça vous intéresse. Ça, c'est vache, ça. Bah, ça. Hey, tu vas pas me dire que tu vas pas me l'acheter, celui-là. À n'importe quel prix. Bah non, je vais les foutre à ça peut te faire plein de points. Mais ferme ta bouche. Fais-le à 20. Je te l'achète à 20. Oui, comme ça, je peux rien acheter chez les autres. Va mourir. 20. Est-ce qu'on refait un dernier recolte d'argent avant le décompte de points? Non, parce que l'argent se fait au début de tour, pas en fin de tour. Donc ça sera uniquement l'argent restant. Non, moi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je me demande, en même temps, si vous venez acheter chez moi, ça veut dire que... Moi, je vais aller acheter parce que j'ai rien chez moi, hein. Quasiment. Je m'en fiche. Moi, je regarde les tuiles, Les tuiles, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais si vous venez tout acheter chez moi, c'est ça le problème. Là, c'est le calcul, quoi. Si vous venez tout acheter chez moi, j'ai plus qu'une tuile. Marc, j'ai besoin d'une tuile. J'ai besoin d'une tuile et elle est chez le Mops. Je dis ça, je dis rien. Le mets très cher, celui-là. Celui-là, il va partir, celui-là. Oui, mais mets-le très cher quand même. Non, il part, il est défaussé. Il part la poubelle. Mais arrête de regarder mes cartes. Okay, d'accord. C'est toi qui as dit. Attends, faut que je calcule. Non, je vais mettre ça. Ouais, c'est chaud, hein. Cette partie, le moment où il faut que tu choisisses le prix de tes tuiles en te disant est-ce que c'est ça intéresse les autres ou pas. Moi, je suis bon. Okay. Allez, bon. On est tous bons. C'est parti. Hop, ça part à la poubelle. Hop. Détruit. Ça part à la poubelle. Mais tu es malade, frère. Non, je suis pas malade, moi. Okay. Il y a une tuile qui m'intéresse sur la table. D'accord. Je la veux absolument. D'accord. Ok. Alors, c'est nul. J'ai juste un pont avec un bateau et un truc de whisky. Et ils valent 12. Pauvre malade. 12 les deux. D'accord. Et donc, c'est moi qui vais commencer et je vais aller acheter. Jimmy, je vois pas du tout ce que tu as. J'ai beaucoup de montagnes. Une avec une montagne sur deux faces, un whisky, un mouton. Ouais. Et j'ai une avec un whisky, la montagne sur au milieu, un tour et voilà. Oh, c'est naze. Et ben, ça fall, qu'est-ce que c'est ça pour un. Mais tu lui donnes la partie là. Mais pas du tout. Tu parles. Rien à craindre. Pour rien un pièce d'or, tu lui as donné 2 points de victoire. Certes. Mais tu aurais pu lui mettre 10, il aurait oui, acheté. Oui, mais je ne peux rien acheter si je mets 10. C'est ça, il lui fallait des réserves. Il aurait forcément dit. Mais dis-toi, tu vas voir. Quelqu'un l'aurait acheté. Non. Moi, je l'aurais acheté pour 10. Mais tu joues en dernier. Tu joues en dernier. Si, Amops. Un mouton de Jimmy, c'est ça? Alors attends. J'ai un mouton. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et il coûte 5. C'est pas cher. J'ai failli l'acheter. Ouais. Pas cher. Je te le prends. Pas cher, mon mouton. Mais face à ça, pour une pièce. Tiens, c'est moi. 5. À toi d'acheter, Jamie. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lui laisse pas poser ces deux merdes. Non, ça faut pas que je les pose. En même temps, c'est 5 pour 1. Ouais, là, il récupère des points de victoire, en fait. Voilà. En fait, il n'y a rien d'intéressant sur la table. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Bah, paye pas. Ça évitera de donner des sous aux autres. Ça ne fait rien au point, de toute façon, ici, ça ne fait vraiment pas grand-chose. Hein. Enfin, si, peut-être. Allez, je vais prendre ça. Je vais te prendre ton 4. 1, là. Tiens. Okay. Et alors, sans réfléchir une seule seconde, je te prends ton 10. Bah oui. Et j'avais bien joué parce que j'avais mis 10 de côté au cas où, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je te prends ça. Et ça, ça va là. C'est le 1 pour toi. Tu l'as, ok. C'est pour qui? Pour lui. C'est pour moi. Aussi. Regarde ce jeu. Mais je t'ai donné 2, donc tu m'en dois 1. Ah, d'accord, c'est le 1 que je te donne. D'accord. Pardon. Purée. Ok, donc bon. Ça, vous me l'avez laissé. Et si tant tu mieux. Calculais combien cette tuile me rapporte, ça ferait mal, ça te ferait mal au cul. Ouais, mais même le tuile que tu avais. Non, je savais que le mob, c'était mettre un paquet d'argent sur cette tuile. Et donc, j'avais gardé plein de tuiles. Et ça n'a pas suffi? Non. Mais là, je fais ça. J'ai pas le choix. Moi, je suis prêt. Et donc là, on compte des.
Alors, ton nom, c'est quand? Parce qu'on compte pas Sty, on compte DB. Le A, on s'en fout, DB, c'est pas. L'argent, ça compte, hein. Alors, on y va. Alors. En commençant par le premier joueur, vas-y, commence par le premier joueur. Ça marche. Alors, du coup, DBC. Donc, D, c'est par zone fermée de plus de 3. Nada. Okay. On va voir là-dessus, c'est pas grave. B, un point par mouton. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Et je suis rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis ensuite, il y a la tuile C. Donc, un par ensemble de phares et de bateaux. Et puis, j'en ai qu'un. Voilà, ben, ça fait 3. 1, 2, 3. Et ton argent? Et puis, mon argent… Et puis, ça, ça, on le fait maintenant ou après? On fait tous les points. On fait tous les points. Allez, on fait tous les points. Donc, ça fait un point par ferme. Une, deux… Un point par ferme. Trois. Là, ah oui, t'as d'accord. Un, deux, trois. Et puis ensuite, c'est par 5. Donc, ça fait un point, deux points. Ah, raté. Deux points. 1, 2, ah, 49, la poisse, mal, 49. La loose. Mops. Alors on commence. On commence par le D. Les donc, tes zones fermées. J'en ai qu'une. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, les moutons. Les moutons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, les ensembles phares bateaux. Eh bien, hélas, je n'ai que 2. Donc, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quels étaient... Moi, c'est pas moi. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes missions. Mes missions. Alors, j'avais 1 par ferme, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 4 supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Et 2 points pour 2 bateaux, ce qui me fait... 2 points. 2 points. ah non, mais tu l'as deux fois. 3 points. 3 points. Tu l'as deux fois. Oui. Donc ça fait 1, 2. 2 fois 3. 2 fois 2. 2 fois 2, 4. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. T'as de l'argent? Oui. Oh, 1, 2 points. 2 points. Ça me fatigue. 3, 4, 5. 3 points. 3 points. 4 points. 5 points. Oh punaise. 6 et 7. 7 points. Oh purée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est chaud, hein. 58. Les moutons, j'ai mis les moutons. Donc que 3 pour les moutons. 1, 2, 3. Ok. Donc, les ensembles phares bateaux. Ensemble phares bateaux, 2. Donc 6. 2 fois 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite les zones fermées. 2. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, mission. J'ai mission. Donc j'ai une. 1 par bœuf. Ouais. Non, 2 par 2 fois 2, donc 8. T'as 4 bœufs ? Oui, j'ai 4 bœufs, donc 3, ça 2. Fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben, j'ai sous. 2, non, j'ai 2 par tonneau de whisky, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 3 points. 3 points. 1, 2, 3. Des sous. Juste derrière. Ah, tu passes devant avec les sous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 5, c'est par 5. 5. Je vais jamais y arriver, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas. À moi. Alors, les moutons. Moutons, j'en ai pas. J'en ai pas les moutons, j'aime pas les moutons. Ok, pas de moutons. Les ensembles phares bateaux. Alors, les ensembles phares bateaux, j'ai quand même. J'ai 1, 2, 3. Non, 1, 2, 4 phares et 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. Donc, j'ai 4 fois l'ensemble. 12. 4 fois 3, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, les zones fermées. Les zones fermées. Bah, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. 5. 5, 2, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Déjà, si on arrêtait là, j'avais gagné. De toute façon. Voilà. Mais il reste encore tes missions. Et encore, j'ai t'as couillé. Bien, bah oui, parce que j'avais un moyen d'utiliser. Alors, les missions, vous allez voir la petite tuile que j'ai ramassée à 10, combien elle va me rapporter. Alors, en mission, j'ai celle-ci. Un par petite tour ronde. Mais fois 2 parce que c'est fermé. Donc, 2 par petite tour ronde. Les petites tours rondes, j'en ai 1, j'en ai 2, et 3. J'en ai 3. 3 fois 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, c'est par phare que j'ai. Je les ai deux fois et enfermés. 4. Donc là, c'est 4 points. Par phare. Par phare. Et dans la 4. Et des phares, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, 16. Respect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, oui, oui. On a tout fait le tour de mes machins. Ouais, et voilà. T'es sous. Et ben, il me reste que deux parce que moi j'ai tout claqué. Un par deux tonneaux. Ah, un par deux tonneaux, j'ai encore, je vais pas. Il est fermé. Ah, doublé, donc deux par deux. Deux par deux tonneaux. Et des tonneaux, j'en ai. J'en ai trois, je crois, donc ça me fait que deux. Donc ça me fait quatre. C'est fermé.
J'ai deux tonneaux, oui. Donc c'est un point fois non, deux. Une par, doux, par paire de tonneaux. Ouais. Oui, mais j'ai deux tonneaux, j'ai une paire. Ouais. Donc c'est un point. C'est un point, mais c'est fermé. Donc j'ai deux points. Points. C'est ça, un, deux. Oui, c'est ça. Ouais, un, quatre. Et les sous. Et les sous, je n'en ai pas. Ouais, explosion. Explosion en Val. Alors on n'aurait pas dû le laisser faire au début. Hein. On n'aurait pas dû le laisser couiner. En fait, il a raison. Je vais reconstituer mon puzzle. Ah ouais, voilà, donc... Et encore, j'ai laissé tomber parce que ça m'a agacé. J'étais vraiment parti sur le. Oui, sur les plus petites zones. Bah, c'est oui, de ma faute. Tu me l'as dit, mais bon. Okay. Après, c'est de ma faute. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première partie. Très rapidement, j'ai replacé légèrement, mais toi, ça c'est pas grave parce que j'en ai foutu deux ou n'importe comment. Mais vu les tirages qui sont arrivés, ça m'a permis de. Mm-hmm. C'est excellent. Enfin, moi, je trouve ça excellent. C'est vraiment très bien. Non, ça coûte trop fort. On en parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jeu on a joué. Dynasty. Le rapport aléatoire, voilà. Réflexion. Là, il y a l'aléa puisque tu pioches au pif. Ouais. C'est ça. Mais tu contrôles avec l'achat. Tu contrôles avec l'achat. Tu sais combien il faut mettre. Par mètre, tu te dis, ça ne va pas les intéresser parce qu'un coup d'œil général sur ce qui vous intéresse, tu es parti sur les moutons, tu n'as pas de moutons, tu sais. Enfin, tu vois, il y a tu peux. Et surtout là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous, on s'est bataillé un petit peu pour les moutons, les fers, tout ça, les zones fermées, on s'est tous bataillé pour ça. Par contre, toi, t'as le plus de points que tu as marqué, c'est avec tes zones fermées et les phares et les tours et que les... personne. Ouais. Bien sûr, et puis voilà. Combiné avec ça, enfin bref. Ça a tatané. Et ce qui est vraiment, je pense, c'est ma première partie, mais si j'imagine que ça, puisque tu en as 10, que tu les tires aléatoirement, c'est très varié. La variance. La variabilité. Et même là où ça se place a énormément d'effet. Tour 1, tour 2, tour 3, est-ce que c'est faisable tout de suite ou pas? Quand est-ce que ça sera fait? Et puis les tours vont très vite. Malgré tout. C'est très très bon jeu. Isles. Pourquoi tu dis Isles? Alors que le S, alors que l'S est entre le S et le L. C'est Isles of Sky. Alors que c'est écrit Isle. Me fais pas chier. C'est que c'est. Sinon, je vais appeler la reine et. La reine, ouais. Ouais. Isles of Sky, de l'air à roi. Donc Alexander Pfister. C'est ça. Et Andreas Pelikan, chef Enfort. Donc aux alentours de 25 euros. C'est un Carcassonne surboosté, on va dire. Avec de l'enchère. Le coup, plein de façons. Vraiment le coup de poser les pièces pour pousser à acheter ou pas. J'ai quand même fait deux tours sur six où j'avais zéro argent. Ouais. Il me restait plus rien. Ouais, et pourtant ça t'empêche pas. J'ai même eu trois trucs. Enfin bref, c'est vraiment, il y a, je pense qu'il y a un beau potentiel. Ouais, c'est en tout cas première partie m'a beaucoup plu. Impeccable. On a bien fait. Ça va faire plaisir à Funforge. Malgré tout, en ayant couiné, on a bien fait. On a bien fait. Voilà, merci le Mops. Bah, de rien, rien. Moi, je suis pas un fan. Ouais, moi, j'aime beaucoup, moi. Moi, je trouve que. Ça n'a pas la fluidité de Carcassonne. Ben, on n'est pas dans le même registre intellectuel, en tout cas, ça c'est sûr. Au niveau du jeu, oui. Je trouve pas le multiple scoring super élégant, moi, comme principe du jeu. Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment. Ça me fascine pas plus que ça. Quoi. Mmh. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ça. Je te donne plein d'outils et plein de lieux à aller, donc effectivement, tu as plein de choses à réfléchir. Ben oui, je trouve pas ça forcément élégant. Voilà. Mais moi, j'aime bien justement ce. C'est du pur opportunisme, c'est-à-dire que comme j'ai vu que je merdais là, je me suis blassé sur ces deux-là. Quoi. Mmh. Les deux, vous êtes parti là-dessus, je me suis dit, je vais attendre 2-3 tours. En plus, je vais être derrière, donc je vais accumuler un petit peu d'argent. Tu vois, ça permet de moduler. Parce que moi, j'ai fait mon choix, je suis parti sur deux scores, pas quatre. Mmh. Oui, c'est pas. Donc tu vois, j'ai remarqué là, on marque tous sur deux, donc tu dois choisir les bons par rapport aux autres. Donc ça demande c'est une projection qui moi me convient. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas immédiat, c'est à 2-3 tours, mm-hmm. c'est pas complet sur toute la partie. Tu rééquilibres en fonction de ça. Moi, ça convient parfaitement à mon esprit. Mm-hmm. Mais je comprends que ça convienne pas à tous les esprits, parce que c'est vraiment de l'opportunisme pur. D'accord. Avec la juste dose de tirage. Enfin, en tout cas, faut voir si ça se renouvelle. Si ça se renouvelle. Sur 2, 3, 4, 5 parties. Moi, je pense que oui. Après, ça me plaît assez. Donc voilà. Un lockout. Vous avez. Plusieurs sons de cloche, à vous de voir. Tout à fait, celui qui vous plaira. Le jeteur de dés, ça t'a plu? Oui, personnellement, comparé à Dynasty de l'autre jour, c'est très rapide. C'est bon, j'aime bien les. C'est très rapide, c'est ça que je trouve ça très curieux parce que c'est pas rapide du tout. 45 minutes là. Mais oui, t'as vu la vitesse à laquelle les tours tournent. 45 minutes à 4. Oui, mais t'as vu combien il y a de tours, il y a très peu de tours. Et les tours durent assez longtemps parce que tu réfléchis quand même. Oui, t'as 6 tours dans Dynasty, t'avais 3 dans les mais t'es tout le temps en train de. Et là, si tu veux, moi ce qui me plaît, c'est par exemple ta tuile. Je la voulais. Dès que je l'ai vue, du coin de l'œil, je l'ai vue. Ouais. Et c'est ce petit pincement. Il jouait d'abord. Tu jouais, il jouait. J'avais ce petit pincement qui, moi, me plaît bien. C'est est-ce qu'il va me la prendre? Pour qu'il ne la prenne pas? Pour qu'il ne voit pas? Pour qu'il ne voit pas que c'est tu savais que c'était celle-là. Tu l'avais dit. J'ai fait du double machin. Je me suis dit, il y a une tuile qui me plaît chez le Mops. En disant, ils vont croire que je veux bluffer qu'elle n'est pas chez le Mops.
Tu vois. Mais j'ai vu qu'elle allait me rapporter 15 j'aurais, points. J'aurais dû mettre plus. T'avais pas beaucoup d'argent. Non, j'avais gardé. J'ai mis 10. Hein. Pourtant, oui. T'as mis 10. Mais j'avais exactement 14 devant moi. J'ai vu des parties. J'ai mis 3 et j'ai mis 1. J'ai gardé 10 en me disant, au pire, t'avais 22, tu faisais 11-11. Pour être sûr de gagner plein d'argent pour ta défense. Et au moins, pas cher, on allait au moins m'acheter. Ouais. Au moins une tuile pour avoir au minimum 11. J'ai vu le roi du côté de Mops, là, il a pesé 10. Donc, si tu l'achetais, il gagnait 20. Donc, automatiquement 4 points. Oui, non mais… Donc, je ne sais pas si tu as vu Romain. Moi, je n'avais pas vu son truc passer. Mais moi, j'avais vu que j'allais gagner. C'est pour ça que j'ai dit, allez, on va faire compter d'abord par Guillaume, qui est le premier joueur. Pour que vous passiez tous devant et puis derrière… Crac, boum. Bah, parce que j'ai fait un tour complet quasiment. Ah, tu as quasiment un tour complet sur moi. J'ai fait un tour complet de points sur le dernier compte. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, voilà. Bon, on a débriefé. On a débriefé, allez. On sait comme ça, de toute façon, on fait une vidéo de 54 minutes. Merci à tout le monde d'être venu jusque-là. Et puis voilà, Ice of Sky, dans toutes les bonnes boutiques, distribuées et francisées par… C'est pas Funforge, c'est Funforge All Stars. All Stars, oui, c'est… All Stars, c'est comme… C'est marqué. C'est la gamme. Attention, okay, regarde. Okay. Germain. C'est Lookout, non, c'est ça? Ouais, c'est Lookout Game, enfin Lookout Spiele. Le meilleur d'ailleurs, ça s'appelle. Marqué. Voilà, le meilleur d'ailleurs. Bien, on va regarder cette caméra droite dans l'objectif, là, et dire tous ensemble, Generalize.